Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment aller directement sur un site internet à partir de son navigateur dès le moment qu'on a son adresse directe. Hein, donc l'adresse qui va se trouver sous la forme de www.nomdusiteinternet.fr.com ou autre, ou alors http deux petits points slash slash le nom de, du site.com.fr ou autre. Donc, bien souvent, les internautes qui ne sont pas forcément habitués à faire cela de la meilleure façon qui soit, auront tendance à mettre l'adresse du site ici, dans la barre de recherche de Google, qui, donc, si je mets, par exemple, 3 www.btweb.fr. Voilà, bon là, ça met automatiquement dans la barre d'adresse, donc ça va pas poser de problème. Mais faites attention si si on fait par exemple voilà, il y en a qui ont tendance à taper juste le nom de domaine, mais sans l'extension ni quoi que ce soit. Et donc là, ça fait une recherche. Donc vous êtes après obligé de cliquer sur le nom de domaine. Donc il faut mieux faire directement. Donc je vais vous remontrer la manipulation. L'idéal c'est d'aller ici dans la barre d'adresse. Donc vous mettez bien votre HTTP si c'est le cas, ou sinon vous mettez 3W. Hein. Hop, donc slash slash, on avait dit donc btweb.fr. Voilà. Et vous allez voir qu'on arrive donc directement sur le site. Donc ça vous évite des mini manipulations supplémentaires et surtout de faire des erreurs, puisqu'il peut arriver que plusieurs sites concurrents aient la même base. Vous voyez par exemple ici il y a l'extension belge et donc c'est un site qui n'a rien à voir avec le .fr. Et on pourra peut-être même trouver d'autres extensions. Enfin bon, peu importe, on va pas aller chercher la petite bête. Mais voilà. Donc pratiquez bien ici donc en barre d'adresse et non pas en barre de recherche. Mettez bien donc l'adresse. Hein, je vous ai montré que le HTTP. Je vais vous montrer que le www. Vous allez voir que c'est aussi simple. Hop, pardon, j'ai fait une erreur. Voilà, vous voyez, il me fait même la suggestion puisque moi je l'ai déjà tapé. Et vous allez voir qu'on va arriver directement sur le site également. Voilà. Mais écoutez, ce tutoriel vidéo s'arrête ici. Il est très simple. Je vous le concède. Tout simplement, pour m'en être rendu compte lorsque je suis en déplacement en clientèle, souvent les gens ne procèdent pas comme ça et donc soit font des erreurs, arrivent sur d'autres sites, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao!